Hello, hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça faisait 1000 ans. Ouais, ça faisait très longtemps. On vient d'arriver à... Je sais pas, on est dans le sud de Paris. Ouais. T'as remarqué que j'étais dans le sud, moi je crois que c'était dans le nord à la base. Non, moi je savais que c'était dans le sud. Moi je m'étais pas figurée. Et ce matin j'ai vu que c'était dans le sud. Et on était à un métro, genre Caro était dans le métro de... Moi je te suis d'après. Ouais. Mais toi t'as menti, hein, c'est pas possible. Non, je te jure j'étais à 3 arrêts. Quand tu disais il reste 3 arrêts, moi il m'en restait 4. Et je suis arrivée avant. Peut-être j'avais confondu avec l'arrêt d'avant vu qu'ils ont le même nom un peu. Ouais, ils se ressemblent tous. Nous on comprend rien. Oh là là, on est blanc quoi. On comprend rien un peu. Ouais. Et surtout il fait mauvais. Ouais, il pleut bien un peu. Ouais. Mais j'avais prévu le coup hein. Et une copine avant que je parte elle m'a dit ici il pleut à Paris. J'ai dit oh, ok, je vais prendre le parapluie. Moi j'ai pas de parapluie hein. T'as pas de parapluie? Bah je crois. Oh, il faisait... il a grêlé presque à Valencia l'autre jour là. Quand il fallait que je tourne l'intro. Ah bon? Et toi aussi je crois que t'as posté une photo comme quoi il pleuvait là sur Snapchat. Ah lundi. Ah ouais non, ça c'était hier. Si, ah, c'était lundi. Lundi quand ils ont monté les meubles. Lundi matin, il pleuvait trop. Il pleuvait les corps. J'avais jamais vu ça. J'ai cru que ça allait être inondé quoi. Ouais, c'est vrai. Ça surprend. Donc voilà. C'est pas très beau, mais c'est pas très grave. Du coup, on a... ah, t'as pas mis des chats. Mais par contre, il fait pas froid. T'es une folle. Mais je trouve pas qu'il fasse froid. Hein. Ouais, mais ça me réconforte. Et là, on va à un rendez-vous. Et cet après-midi, on a encore d'autres rendez-vous. Et mais là, c'est pas des rendez-vous vraiment rendez-vous. C'est plus on va se chouchouter. Hein. Ouais, ça va être. Donc ça va. D'ailleurs, être à chaque fois que je les rencontre, j'ai les cheveux pourris, j'ai honte. Moi. Je me suis vidé le shampoing sec dessus parce qu'on a rendez-vous avec L'Oréal professionnel. Et à chaque fois, c'est mon bad hair day, tu vois. Parce que là, je me dis, bon, on s'en fout, on va aller chez le coiffeur. J'ai mais pas c'est ça, juste avant, mais du coup, j'ai les cheveux pourris. Listo, le rendez-vous. Moi, on dirait que j'ai plus de cheveux. Ils sont pas sans s'en parler. Là, on est à Porte d'Auteuil. Voilà. J'étais au cherche. Vu. Non. Mais ça rame le cake de l'internet. Ça m'arrive jamais, ça, en Espagne, de ramer le cake. Tu vois, ouais. Mais il y a la 4G là-bas. Bah, ici aussi, normalement. Non, moi, j'ai désactivé. Ah. Peut-être que je pourrais activer d'ailleurs. Ouais. On cherche la piscine Molitor parce qu'on a rendez-vous avec. Avec L'Oréal Pro au Molitor. Et c'est drôle parce que depuis qu'ils l'ont rénové ce truc là l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus, je vois toutes les blogueuses qui vont là-bas et je me dis ça a l'air beau, j'aimerais bien y aller. Mais maintenant on y va, donc c'est drôle. Bon, comme internet ça marche pas, je vais essayer de me figurer. Rue Molitor, église, école Saint-François. Oh bah en fait je me figure pas du tout. Là, il y a un truc qui dit Molitor, mais c'est la poste. Je suis où, moi? Ah, je suis là. On a trouvé. C'était pas si dur. T'énerve pas sur la porte, elle s'ouvre toute seule. Hop là. Ah, mais il se baille, hein. Ah, mais c'est en plein air. Bah oui. Tu l'as jamais vu la piscine Molitor sur les photos? Non. Bon, à l'attaque. Elles ont presque toutes pris le Angus, c'est quoi? C'est du bœuf? Oui. Et Adela, elle mange volaille. Et moi j'ai pris du risotto aux champignons. Alors ça c'est vraiment trop mignon. Sur l'huile, kérastase pour les cheveux. Si on m'avait dit un jour que j'aurais un shampoing à mon goût avec ma fille. Non mais... capillaire. Donc on a eu l'idée de faire graver la bague en métal de la bouteille. Et tout le monde en fait peut faire graver sa bouteille. C'est-à-dire que on fait une opération en mois de décembre. Attends pour que je puisse aussi l'avoir pour Noël, pour l'offrir tu vois, à ta soeur, à ta belle-mère. Trop bien. Etc. Sur le site internet de kérastase.fr, on a un e-shop. Du lundi au vendredi, c'est du 7 au 11 décembre, tu commandes, si tu achètes la bouteille d'ultime, Kérastase t'offre la gravure. Génial. Tu mets le prénom que tu veux, les initiales, ce que tu veux, enfin, de toute façon, on n'a pas de... voilà. Il faut juste se limiter à 14 différents caractères. Alors ce gâteau sans gluten, c'est une tuerie. Toi aussi, c'est bon? Oui, sans gluten, tu te rends compte? Tout est possible. Toi aussi, il est sans gluten. Il est trop beau. Mais quoi? Mais il y a plein de gluten. Il y a plein de gluten. Moi aussi, je crois. Ouais, toi aussi. Nous voilà au spa. C'est si joli. Avec les vernis et si pro. Hop.
Magnifique. Les vernis. Ah bah il est là le bleu molitor. Le bleu spécial du lieu. Bah oui, le bleu molitor. Et bah oui, forcément. Non mais je sais pas si elle est là. Ici, c'est pour les mains. Mains et pieds. Et puis, ah oui, ça sent le vernis. Oui, voilà ce qu'il nous faut chez nous. En fait, un mur de vernis. C'est un peu les deux. Alors là, c'est de l'expérience. Ouais. Le fauteuil de... C'est pas le fauteuil des coiffeurs normaux. Hein. Non. Oh vous allez voir, c'est pas enfin, normal. C'est pour ça. Ça, c'est le molitor avant qu'il fasse les rénovations. Et on dirait vraiment la prison de Prison Break au Panama. Enfin, c'est le même délire de c'est abandonné, tagué. C'est fou les travaux qu'ils ont fait. Bon, en attendant que Caro finisse les soins cheveux, moi j'ai fini mes ongles. Je vais essayer de vous montrer. Je ne rends pas trop compte. En plus, ça brille parce qu'elle m'a mis du sèche-vite là. Mais c'est pas noir, c'est bleu, c'est un bleu très foncé qui est hyper joli. Elle m'a fait une forme donc trop jolie aussi, bref. Et donc je me retrouve dans une salle de repos où il y a des lits comme ça. Oh ben, mince, il y a des gens qui se reposent. Il y a des gens de l'autre côté du rideau. En fait, j'ai dû le faire fuir le monsieur parce qu'il n'y a plus personne là. On voit pas trop, mais en fait, c'est une salle de luminothérapie, je pense. Je vais pas la changer, je sais pas. Hop, on a des cheveux tout nouveaux. Mais là, mais le changement est flagrant. Ah, si, ça... si. Non, ça rend pas. Mais sur moi, ça rend. Parce qu'on est blanco. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, nos cheveux sont. Avant aussi. Ah, bah oui, on a pris avant aussi. Malheureusement. Bon. Attends, mais alors, attends, on va vous dire. Si jamais vous vous voyez, en vidéo city, on coupe la tête. Parce que moi j'étais en train de me dire que je déteste que les gens me vous voient, parce qu'on dirait que j'ai 100 ans. On vous coupe et la c'est vrai tête, que des fois, dit. Non mais il y en a que je croise et qui m'appellent ouais. Vous. Hein. Ouais, Madame Caroline Safia. Il n'y a pas de vous qui tiennent quand non, on y a... est que un. Non, non, il n'y a pas de vous qui tiennent s'il vous plaît. Hein. On n'a pas 1000 ans. On est trop contents de nos cheveux. Ils sont si doux. Et de nos ongles. Ils massent le gars. Tu veux que t'as massé les pieds ou pas? Non. Ah ouais. Moi il m'a massé les mains aussi. Ouais, moi aussi il m'a massé les mains. J'avais envie qu'il me masse pendant 100 ans. Ouais, c'était cool. J'adorais. Ouais. Puis en plus il appuyait bien. J'ai l'impression sur les points de... Moi j'adore les massages. Hein. Ouais. Ouais, t'as vu? J'adore. Si je pouvais en avoir tous les jours. Bon, j'étais rentrée chez ma copine Marine et il y a ma copine Margot, la blogueuse. Oupsie, je suis bête. Je suis complètement bête. Margot du blog You Make Fashion qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait une soirée Urban Decay. Du coup, je vais y aller. C'est l'occasion de revoir Margot depuis la dernière fois où je l'avais vue à Lyon. Je l'avais vloguée d'ailleurs. Et elle est avec son pote Nico. Elle m'a dit je suis avec Nico, donc je suppose que c'est son pote et pas son chéri, parce que genre son grand pote et son mec ils s'appellent pareil. Donc elle doit toujours préciser. Donc je vais aller voir la présentation de Urban Decay. C'est le genre de choses qu'on fait jamais avec Caro parce qu'on n'a pas forcément le temps, parce qu'on n'est pas sur Paris, parce qu'il y a plein de raisons qui font que. Et là je me dis que c'est l'occasion de voir ma copine aussi et Nico aussi. Et du coup ça va être chouette. Je vous embarque. Bon, après avoir couru pour trouver, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé Nico. Hello. Ha. Tourne au champagne, bon, voilà. Donc voilà, je suis partie de chez Urban Decay. La soirée Urban Decay. Ils nous ont donné la palette, la nouvelle palette, en collaboration avec, comment ça s'appelle déjà, Gwen Stefani. J'avais oublié son nom. Et je vais chez ma copine. J'ai l'impression que je dis ma copine truc, ma copine machin. Ma copine Caro, que vous avez dit,
que vous aviez déjà vu dans d'autres vlogs. Donc la caméra s'est encore éteinte toute seule, je sais pas ce qu'elle a. Donc je vais chez ma copine Caroline avec qui j'étais partie en Colombie il y a 6 ans. Ça fait longtemps déjà. Et on est toujours amis et c'est vraiment ces amis là qu'on a, on les compte sur les doigts d'une main ou deux maximum. Vous savez, ces amis très proches comme Caro que vous connaissez ou comme ma copine chez qui je suis actuellement. Ou comme voilà, on en a quelques-unes comme ça qui comptent vraiment énormément et qu'on espère garder encore très 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 longtemps. Bon alors j'ai plein de trucs à vlogger. First, j'ai un trou dans mon collant que j'ai mis pour la première fois aujourd'hui. Donc je suis un peu deg, sachant que je me suis coupé les ongles des pieds, hein. Il n'y a pas photo. Non mais faut que j'explique parce qu'on sait jamais. Et ma copine Caro, elle travaillait chez Boots Laboratories avant et elle m'avait pris. Ah oh, ça focus pas les gars, je suis désolée. Cette mousse démaquillante, c'est ma mousse démaquillante favorite. Vraiment, je l'adore. Je vous en ai déjà parlé 50 000 fois, mais voilà, je vous en reparle au cas où vous auriez pas compris. Bon, il s'agirait de conclure ce vlog. On est le lendemain matin et on est allé en commencer à nouveau. Dit, je vais pas finir celui d'hier encore. Donc, nous finissons celui d'hier. Voilà, et on se retrouve demain pour le vlog d'aujourd'hui. On est en train de le commencer même. On va l'introduire. Attention, attention, c'est parti.